Eh oui, je suis Aaron. Entrez. Entrez. Sortez. Wesh frérot, ça fait longtemps. Bah ouais, il était temps. Qu'est-ce que t'as branlé depuis la dernière fois? Tu m'as manqué en tout cas. Toi aussi. Non, en vrai, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en convalescence. Et j'en ai profité pour faire le point sur plusieurs points et évoluer. Une convalescence? Tiens donc. Suite à quoi au juste? Y'a rien qui t'échappe à toi, hein. Tu t'es cassé la gueule? On t'a cassé la gueule? Explicite? J'entrerai pas dans les détails publiquement, mais j'ai subi une opération qui nécessitait une période post-opératoire assez conséquente du fait de la nature contraignante des séquelles physiques qu'elle a laissées. Et de manière inopinée, bah, ça m'a forcé à mettre en stand-by un bon nombre de mes activités. Mais bon, là maintenant la période creuse est passée, on gravit le prochain pic Moi, j'ai pu tirer de bonnes choses de cette expérience humiliante. Humblante. Humble. Qui rend humble, force à l'humilité. Humilité. Cette expérience m'a amené à me recentrer sur moi-même avec modestie. Mais du coup, t'avais quoi? J'avais des marlons à tuer. Et nous? T'inquiète pas. Si vous êtes là, c'est que vous êtes autorisé. Par qui? Par moi. Mais bon, vous avez rien à craindre. Regardez, même moi je me suis tué, je suis pourtant toujours là. Comment ça, tué? Je me suis tué. Aussi. Mentalement. Tu délires complètement, frérot. Et je me suis réincarné au sein de ma propre vie. Excuse-moi, mais tout ne m'est pas limpide. J'avoue que moi non plus. Ça se passe comment concrètement le suicide mental? En gros, disons que c'est une méditation assez particulière durant laquelle on s'introspecte suffisamment pour pouvoir ensuite se formater. C'est-à-dire effacer ses automatismes, ses schémas de pensée néfastes, ses idées contradictoires, pour pouvoir prendre contrôle d'un nouveau paradigme mental. C'est un peu une mise à jour de son système d'exploitation, ou un débogage psychologique et spirituel. En fait, c'est assez personnel. Peut-être même un peu trop pour pouvoir en parler correctement comme ça. Là. Lewis est mort. Longue vie à Lewis. Lewis est mort. Longue vie à Lewis. En français, on dit communément... Le roi est mort, vive le roi, et non pas longue vie au roi, comme traduit littéralement de l'anglais. Lewis est mort, ferme ta gueule Marlon. Lewis est mort, ferme ta gueule Marlon. Lewis est mort, ferme ta gueule Marlon. Très bien. Messieurs. Excusez. Donc là, t'es un nouvel homme. Attends, y'a un truc que je capte pas, là. Si suicide mental, machin et tout, là.
Comment ça se fait qu'il y a encore des Marlon comme lui et comme nous? Il y a comme un problème de personnalité contradictoire qui persiste. Ça, c'est parce que... Frérot, tu nous as perdus là. C'est qui Eris? Notre autrice. Wow. Comment ça? Il est compliqué cet épisode. Bon, c'est pas le moment d'en parler, par contre. Je peux vous parler de dernier départ. De quoi? Dernier départ. C'est mon premier album studio et il sort bientôt. Et on s'en bat les couilles de ça. Pardon? Pardon. Là, je te montre la cover. Ah, mortel. Tu fais écouter? Non. Vous l'écouterez quand il sortira, comme tout le monde. Allez, juste un extrait. Ah, donc c'est purement de l'auto-promo sans gêne, en fait. Oui. Et encore, t'as pas vu le truc que j'ai à vous montrer? Bonsoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouvelles récidives de Lewis et ses Marlon. Et les prochains clips à venir. Appuie sur la cloche en dessous de la vidéo pour être notifié des sorties. Rejoins également l'œuvre sur Instagram où tu peux trouver des créations originales et exclusives comme WisWis. Sur ce, c'est qui WisWis? Et Eris? Comment ça, tu connais pas WisWis? J'ai pas de téléphone, moi, frérot. Merci, Marlon. Sera là à chaque fois, lui? Et du coup... Couille. Et oui, c'est ça.